est merveilleuse. Ta parole nous restaure. Nous disposons encore nos cœurs pour t'écouter, toi Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Nous sommes en train de voir beaucoup de thèmes et de sous-thèmes. Et ce matin, nous continuons celui que nous avons commencé hier soir. Et le thème est intitulé les ventes spirituelles. Et c'est un commerce qui existe depuis longtemps. Quand on parle de la vente, il s'agit d'un commerce. Et nous avons rappelé hier que même si on vend quelque chose physiquement, alors il y a un rapport spirituel. Nous avons rappelé aussi que dans l'homme, il y a une partie physique, mais il y a aussi une partie spirituelle. Et donc, même si on te partage, en te donnant quelque chose physiquement, on peut, derrière cette chose que tu vois physiquement, commencer à influencer ta vie sur le plan spirituel. Voilà pourquoi en toute chose, il faut prier avant de faire quoi que ce soit. Par la prière, nous donne la puissance. Et cette puissance se manifeste dans notre esprit. Et si notre esprit est disposé, quels que soient les moyens que les agents du diable vont utiliser, ils ne nous atteindront jamais. Mais si tu es ignorant, si tu comprends rien, alors on peut t'acheter par rapport à ce qu'on te donne. Mais Dieu nous a donné ce thème pour notre délivrance. Chaque fois que le Seigneur te parle par sa parole, c'est pour que tu sois délivré. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole vient pour nous sanctifier. La parole vient pour nous affranchir. Car dans ce monde, le diable veut que les hommes soient toujours et demeurent dans la servitude. Mais la bonne nouvelle, Jésus est venu, il nous a affranchis, il nous a donné la liberté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi une personne qui croit en Jésus-Christ, qui prie dans la vérité, tu ne dois rien craindre. Sois confiant au Seigneur. Donne-toi totalement à lui. Il y a déjà des promesses pour ceux qui se confient en l'Éternel. Dans Jérémie, il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Même si tes ennemis sont nombreux, quel que soit leur nom, si tu te confies en l'Éternel, tu seras plus que vainqueur. Il a dit dans sa parole, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Mais le problème, il faut que tu te confies en l'Éternel. Chers frères et sœurs, ce matin, nous continuons toujours avec ce thème. Les ventes spirituelles. Et il y a une autre question que nous voulons nous poser. Quels sont les éléments qu'on peut vendre de la vie de personne? Quels sont les domaines qu'on peut vendre de la vie d'une personne? Déjà hier, nous avons vu déjà qu'avec Paul, dans Romains chapitre 7, verset 14, il a dit, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La première vente de l'humanité, c'est la vente au péché. Voilà pourquoi les gens pêchent. Et le diable ne s'est pas arrêté là de pousser les gens de leur vente à être esclaves du péché. Il a dit, puisque les gens sont en train de vouloir être sauvés là, puisque les gens qui croient en Dieu là, leur âme est protégée, je dois commencer à vendre les âmes. J'allais dire acheter les âmes à travers toutes sortes de pratiques. Et il y a des gens ici qui marchent physiquement, mais spirituellement, on l'a déjà vendu. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur peut te délivrer. Nous avons suivi que l'homme
lorsqu'une personne est vendue dans un domaine ou dans un état donné, cette personne est esclave de ce qui a été vendu ou le domaine dans lequel il était vendu. Si une personne a été vendue aux boissons différentes, toute sa vie, elle sera esclave de bois. Alléluia. Amen. Il y a une personne avec qui on a prié quand j'étais à Pointe-Noire. Le papa là, il a 75 ans maintenant. Il était esclave là, Kogelo. Donc les enfants lui ont conseillé, laisse les choses. Il n'avait pas le courage d'abandonner la Kogelo. Mais quand nous avons fait le séminaire sur la délivrance, et le thème était l'esclave libéré. Est-ce qu'on parle acclamer le Seigneur. Quand il écoutait la parole, la parole est rentrée dans son esprit. La parole est rentrée dans son cœur. Lorsqu'il est venu auprès du serviteur de Dieu, on a prié encore. La puissance de Dieu l'a délivré de cette servitude. Et il est allé prendre tous les papiers de Kogelo qu'il avait à la maison. Il les a brûlés. Il dit, je suis libre. Et il avait un petit qu'il appelait souvent pour le motiver. Pour lui donner des idées de comment jouer. Cette soirée-là, quand le petit l'appelle, dit, en tout cas, je ne suis plus dans ces choses-là. Je suis libéré, plus jamais que je le. C'est Jésus qui est dans mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le signe que tu es délivré de l'esclavage ou de la vente, c'est que tu dois plus être esclave de ces choses-là, mais c'est Christ qui doit régner et habiter vraiment dans ta vie. Quels sont les domaines? Quels sont les éléments qu'on peut vendre la vie d'une personne? On peut vendre un individu. On peut vendre un homme. On peut vendre une femme. On peut vendre un couple. Il y a des couples, on les a vendus. Et rien ne marche. Toujours des difficultés, des incompréhensions, des combats. Il y a d'autres, on peut vendre aussi les enfants. On peut vendre aussi un groupe d'individus. Attention, à l'école, partout. Il y a des gens qu'on a vendus. C'est un groupe, les gens qui ont souvent l'habitude d'être ensemble et sur le plan spirituel, on peut les vendre. On peut vendre un quartier, on peut vendre une zone. On peut vendre aussi une partie de la vie. On peut vendre aussi un domaine de la vie d'une personne. On peut vendre les études des enfants. On peut vendre les mariages. Vendre la santé d'une personne. On peut vendre vraiment son travail. Donc, quand c'est comme ça, la personne, quel que soit ce qu'elle va faire, la personne ne peut plus travailler. Parce que dans la vente, il y a l'échange. Ce qui est à toi, ce que tu devais vivre, ce auquel tu devais jouir, en tout cas, on prend ça en vent et toi, tu seras dans la condamnation, dans les malédictions. Beaucoup de choses, on peut vendre la vie d'une personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous racheter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce commerce-là, il y a une institution dans ce monde. Il y a une organisation dans ce monde qui gère tous les marchands de la terre. Il y a des gens que tu vois des milliards, c'est des milliards qu'ils ont là. Mais ils font ce commerce. Voilà pourquoi tu dois lire la Bible. L'une des choses qui a fait que je me convertisse, j'avais lu le livre de l'Apocalypse. J'étais encore catholique, mais ce jour-là, j'ai pris. Dieu m'a conduit. J'ai dit, en deux jours, j'ai lu tout le livre de l'Apocalypse. Et là aussi, j'ai découvert dans ce livre d'Apocalypse, j'ai découvert le commerce. Et c'est ce que nous lisons pour terminer ce matin. Apocalypse chapitre 18, versets 11 à 13.
Là, on nous parle du jugement de la grande ville de Babylone. Cette ville s'appelle aussi la grande prostituée. La mère de toutes les prostitutions du monde. Déjà dans Apocalypse 17, on dit que c'est du vin de sa débauche que tous les habitants de la terre se sont enivrés. Donc les comportements dans ce monde, la manière de s'habiller, les mèches, toutes sortes de choses, ça vient de la grande prostitution. C'est là où se constitue la source des débauches. Donc il y a des choses que les chrétiens sentent de faire, mais ça vient de la grande prostitution. Voilà pourquoi tu ne dois pas vivre par rapport à une doctrine d'une église. Non, tu dois vivre selon la parole. Je vous assure, chers frères et sœurs, la grande prostituée, c'est elle qui est en train de livrer les gens, c'est-à-dire on poussait les gens à pécher contre Dieu. Et les habitants de Sodome et de Gomorrhe ont été un exemple de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés à cette période-là. Les gens n'aiment plus Dieu. Même ceux qui voient l'église vous disent, Seigneur, je t'aime. Mais quand tu vois ce que la personne n'aime pas Dieu. Dieu a dit dans sa parole, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont de le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et les choses qui sont dans le monde, c'est la convoitise des yeux. Tout ce qui plaît à la vie, mais dans lequel Dieu n'est pas. Qu'est-ce qui plaît à ta vue, ce que tu vois que tu aimes, mais Dieu n'est pas là. La convoitise de la chair. Qu'est-ce qui satisfait à ta chair? Qu'est-ce qui te donne les désirs dans ta chair, mais dans lequel Dieu n'est pas? Sachez que toute chose, tout domaine, toute idée, toute idéologie, toute science dans lequel Dieu n'est pas, c'est ce qu'on appelle le monde ou le système du monde. Chers frères et sœurs, et c'est la grande prostituée qui contrôle toutes ces choses-là. Toi qui as la grâce d'écouter la parole de vérité, c'est le temps de prendre la décision. Même si on va se moquer de toi, il faut être en bon terme avec Dieu. Il faut plaire au Seigneur. Que de chercher à plaire aux hommes. Que de chercher à vivre comme tout le monde. Alors que c'est la voie de la perdition. Au dernier jour, ceux qui étaient dans les rives, ceux qui se réjouissaient, ils seront dans le deuil. Et les temps sont finis. Je vous assure, les temps sont finis. Le jugement arrive. C'est ce que Noé disait. Dans son temps, quand Noé disait qu'il y a un jugement qui arrive, les gens se moquaient de lui. Mais le jour où Noé est rentré dans l'arche, c'est que la porte est fermée. Je crois que 40 jours, en tout cas, il y a eu la pluie. Les gens se sont rendus compte que ce que Noé disait, c'était la vérité. Mais il n'y avait plus la possibilité d'entrer dans l'arche. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sonnent la trompette. Mais les gens ne veulent pas écouter. Les gens critiquent. Malheureusement, les temps de feu attendent ces personnes. Écoute maintenant bien dans Apocalypse chapitre 18. Nous prenons seulement le verset 11 et le verset 13. Il est écrit: et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Il y a des choses qui se passent ici où les milliardaires, les gens, je ne dis pas que tous ceux qui ont l'argent sont du diable, non. Mais la luxure, le luxe de ce monde vient du diable.
Et il y a des cargaisons. Tu vas lire toi-même à la maison. On parle des marchands. Un marchand, c'est un commerçant qui vend des marchandises. On peut aussi l'appeler un fournisseur, un vendeur. Et dans la vente, il y a des grossistes, il y a des détaillants. Maintenant, nous voyons les gens avec le luxe, avec les voitures, tout ça. Ils servent le diable et ils ont le luxe. Mais ce jour-là, quand le jugement va frapper la grande Babylone, tous ceux qui ont suivi la voie du diable pour s'acquérir des richesses par des voies du monde des ténèbres, alors ils vont commencer à pleurer. Chers frères et sœurs, la Bible déclare tous les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous voyons le commerce international, tout. Mais il y aura un temps quand les jugements vont commencer à s'abattre sur la terre. Ce commerce-là, personne ne veut plus acheter. Alléluia. Amen. Parce que la source de cette prostituée a été embrasée par le jugement de Dieu. Donc, il dit, personne n'achète plus leur cargaison. Une cargaison, c'est on peut dire, ce sont des marchandises chargées dans un navire, dans un avion ou dans un camion. Ah, il y a le gouvernement qui funda Thomas Foko, la même tour Nakati, il y a Thomas Bilou, Nakati, il y a mon pépé. Lorsqu'on charge un camion, lorsqu'on charge un avion des marchandises, c'est ça qu'on appelle la cargaison. Il y a Thomas Bilou, Thomas Pépé, même au clair. Et toi et moi, nous voyons combien des avions, combien de cargos, combien ça fait de voyages avec des cargaisons. Mais donc, tu as pas mal à y croire, mais Pépé, il y a un coup de l'outil, le Seigneur nous dit qu'il y a d'autres cargaisons que tu vois passer là, c'est pour la grande prostituée. Tout cela Dieu permet pas, afin que le jour il va juger, que personne ne dise, oh, moi je n'avais rien vu, moi je ne connaissais rien, il va dire que tu as vu. La cargaison, c'est aussi un chargement, c'est aussi une grande quantité de choses, mais aussi c'est une réserve. Et dans le premier chapitre 18, 11 à 13, là, on nous cite maintenant les différents types de cargaisons, des marchandises qui sont vendues. Il est cité ici. Cargaison d'or. Yawolo. Cargaison d'or. Yawolo. D'argent. Yambongo. Des pierres précieuses. Ah, babi melufalo. Des perles. Ah, milunga tobi nzemele. Tu vois maintenant les cargaisons. Toi qui es même, on dit laisse, oh non. Donc on ne veut pas que le ministre va en regarde. Toutes ces choses-là, c'est dans le système de la grande prostituée. Les perles, les bijoux, tout ça là. Milunga nyonsoina. Après, non, Dieu avait dit dans sa parole, vraiment, servez Dieu, adorez avec des ornements. Mais la Bible déclare les ornements sacrés, ce ne sont pas les ornements des bijoux que nous voyons là. Cargaison, donc, des perles. Des fins lins. De pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteille, de toute espèce d'objet d'ivoire. Donc quand vous voyez les stars de ce monde, la luxure, tout ce qui brille là, ce sont des choses qui sont liées aux cargaisons du commerce de la grande prostituée. Voilà pourquoi, quels que soient les efforts que tu vas faire, tu ne vas pas atteindre le niveau de ces stars là. Là-dedans, il y a des pactes avec le diable. Voilà pourquoi le diable leur donne la puissance. Mais nous, notre puissance, ce n'est pas dans ces choses-là. Notre puissance réside dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cargaison de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux. Ah!
En airain, en fer et en marbre. De cannelle, d'aromate, de parfum. Ah, mananasi. De parfum. Mananasi. Ah, donc moi, même le parfum, si c'est mauvais. Mais regarde, c'est la grande prostituée. Est-ce que tu connais le mystère de l'odeur de l'impact? Tu ne connais pas. Il y a des odeurs ici qui sont des odeurs des démons. Dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 4, si je prends de mémoire, quelque part, la Bible déclare que aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Donc les marchands de la terre, les fabricants, ceux qui font ces choses-là, avant que ça vienne pour qu'on vende aux hommes, ils font des pratiques, ils mettent des codes des démons. Et quand toi tu prends le parfum, tu vas faire... Tu as mis un code, tu as mis quelque chose de démon. Et quand tu marches, les démons te suivent. Un jour, il y a une soeur qui avait quitté, je crois, la France. Il nous a fait un don, moi et un pasteur. Et le parfum là, quand j'ai pris, l'esprit me dit, lis d'abord. N'utilise pas quelque chose sans avoir lu. Parce que le diable, il a son intelligence. Il écrit aussi. Afin que quand tu vas faire, il va dire que tu avais lu, donc tu as accepté. Tu as donné ta volonté. Tu n'as jamais vu, même dans les alcools et les boissons, on dit que non, ne prenez pas avec beaucoup d'excès. Hein? Mais il sait que quand tu vas commencer à boire une fois, tu vas aller à l'excès. Et sur ce parfum-là, c'était une bouteille un peu sombre, noire. On a écrit séduction. Oh. J'ai su le voir le passé. Mais ça, c'est quel don? On a pris séduction. Mais lui, il dit non, mais ça fait rien, tout est sanctifié par la parole. Mais ça ne fait rien. Il a commencé à mettre dans les mains. Séduction. Attention, quand tu as déjà lu quelque chose de pas bien, car les noms, les phrases, il y a certaines choses ici qui constituent des blasphèmes contre Dieu. Dieu ne séduit pas, mais c'est le diable qui séduit. Attention, on ne peut pas vous condamner de quoi que ce soit, mais attention, nous sommes en train de voir comment que la grande prostituée est en train de dominer les hommes par les choses qu'il a mis dans le commerce. Et tous ceux qui vont accepter ces choses-là de tout leur cœur avec passion, alors ces personnes, leurs âmes vont être déjà sur le chemin de la vente spirituelle. Donc il dit des parfums. De myrrhe, d'encens. Oh, l'encens va chasser les démons. On dit de vin. Donc le vin. Vino. Oh, je prends souvent un peu de vin pour au moment où je mange. Quand tu prends le vin, tu prends des démons. C'est pas moi qui dis la parole. La Bible déclare le vin paraît d'un beau rouge. Il fait des perles dans l'outre. Il coule aisément. Mais il finit par mordre comme un serpent. Oh, quand Dieu parle du serpent, il s'agit du diable, il s'agit des démons. Est-ce qu'on part laver le Seigneur? Donc le diable sait que pour avoir les hommes, il place ses démons dans les choses, dans les objets que les hommes peuvent utiliser. Tout celui qui va utiliser cela, même si c'est un chrétien, même si c'est un pasteur, il sera donc vraiment attaqué par les démons ou bien dominé par les démons. D'huile fine de farine. Ah, il mettait de la farine, tout l'huile de blé. Il ne dit pas. De bœufs, de brebis, de chameaux, de chars. Il mettait de la biboulou. Ça veut dire que même dans l'alimentation, les choses que nous consommons, nous mangeons là, c'est infesté des choses du diable. Même quand on dit que attention, ça là ne mange pas ça. Oh non, vous mangez de tout ce qui se mange. Mais même eux-mêmes, ils vous montrent les documentaires que ça, on a mis des choses. Mais tu manges. Non! Jésus avait mangé pour combien de viande? Combien? Oh Seigneur. Et pour terminer, ils disent le corps et l'âme d'homme.
Donc toujours les cargaisons. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les cargaisons qu'on vend là, qu'on voit le commerce entre la grande prostituée et les marchands, les grands commerçants du monde là. Il dit parmi les cargaisons des choses qu'on a citées là, il y a aussi les cargaisons de corps et d'âme d'or. Kuna na mumungu ya baba na kusala yakina banzutu ya babantu pe ba miela baka na kutekisa. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ici, il peut te partager, il peut te bénir financièrement, mais spirituellement il va là-bas en Europe pour aller vendre ton âme. Yakina baba na kupesa ngembongo na kisuni kasi ya mekwenda kuna mekona tekisa moto. Dès qu'il réussit la mission, surtout quand tu ne pries pas. Quelqu'un d'autre après tu vas mourir. Parce que le contrat, le pacte était signé. Toi, tu avais consommé ces choses. Voilà pourquoi en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, prions sans cesse. Si on a vendu déjà ton mariage, ça vraiment, il faut beaucoup de prières pour que la puissance du nom de Jésus détruise cela. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus pour te condamner, mais pour te réveiller. Parce que ça remonte à deux ou trois, à quatre jours. Je partais vers Péka. Et en cours de route, Dieu me dit, tu vois des gens qui passent. Beaucoup ont été vendus. Tu vois les gens qui sont là dans les boissons. On les a vendus là-bas. Voilà pourquoi ils sont esclaves. Même contre leur volonté. Attention mon frère et ma soeur. C'est le temps de se lever dans la prière. Nous insistons. Et nous avons dit que Paul a fait quoi? Paul a cherché la délivrance. Il a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Misérable que je suis. Lorsqu'une personne est vendue, c'est la misère. Même quand la personne a l'argent, c'est comme si elle ne jouit pas de son argent. Elle fait des dépenses, mais elle a toujours des chagrins, toujours les soucis. Il y a une vente. Jésus est venu pour nous relever. Jésus est venu pour nous délivrer. Et ce matin, prions le Seigneur. S'il y a un marchand de la terre, s'il y a un grand commerçant qui avait vendu quelque chose de toi, ce matin, la puissance de Dieu te délivre. Alléluia. Amen. Que la puissance de Dieu rachète au nom de Jésus. Que le sang de Jésus arrive jusqu'au lieu où on a conclu le pacte pour te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus veut que tu vives une vie normale, une vie avec Dieu en paix et dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'élever dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur. Élevons-nous à prier le Seigneur.